Ça va ou quoi? Bien? Tasse-toi! Salut à tous, on est parti pour le Grand Prix de Formule 1. Donc on va au circuit Paul Ricard, voir la Formule 1 au Castellet. Donc il y aura bien sûr Gaël, le bro, qui va m'accompagner durant ce petit week-end. Ce week-end, on sera bien sûr pour Charles Leclerc, car il joue le titre face à Max Verstappen. Et bien sûr, si on doit choisir entre les deux, le choix est vite fait. Bref, quoi de plus, vous nous connaissez, on va essayer d'aller dans des endroits où on n'a pas le droit. Donc bien sûr, le paddock de F1 sera l'endroit idéal. Si on peut avoir une photo avec Charles Leclerc, Lewis Hamilton, le crack ultime, Daniel Ricciardo, pour Gaël. Donc l'objectif est clair, Charles Leclerc à côté de moi. On part 3 jours, le vendredi, le samedi, le dimanche. C'est parti, on vous fait vivre tout ça ensemble. Allez, let's go, ciao! Partir à 11h30, il est 13h, 1h30 de retard. Ça fait beaucoup là, non? On va en retard. Ah, quelque chose qui arrive. Quoi? Non, ta gueule. On part prendre deux gosses. C'est un vlog. Les gars, on va voir Daniel Ricciardo et Lewis Hamilton. Moi, je l'annonce. Mec, c'est trop stylé, ça fait vraiment un vlogueur. Ok les gars, petit point rapide sur la situation. On était mangé à McDonald's et on a rechargé les batteries. On n'avait plus les batteries sur le téléphone. Tu vois panoramique. Hein. On va regarder les étoiles, c'est bien. Panoramique. Ensemble. Alors, Tinder. Eh, vas-y, fais le truc, frère. Voilà, merci en tout cas à tous de m'avoir suivi. Regardez bien, Daniel Ricciardo à l'intérieur qui vient s'imposer face à personne, puisque du coup, il performe pas. Voilà, tiens. Bon, c'est un échec du vendredi, ok? On n'a pas pu aller sur le circuit. Gaël nous a mis en retard. Gaël pleure en fait. Et là, est-ce qu'on peut dire qu'on va se rendre, non, très sérieusement, on va se rendre à... Bosser. Donc effectivement, la navette demain partira de là, parce qu'on est obligé d'avoir une navette pour accéder au Paul Ricard. Donc demain, 7h38, ça partira de là-bas. Voilà. Les gars, on est deuxième jour, on est samedi, jour de qualification, mais du coup on dort à la rue. Il est actuellement 6h du mat, et on est crevé, parce que la tente elle pue la merde, et le sol il pue la merde. On va y rentrer dans ce putain de circuit Paul Ricard, moi, je vous le dis, on va y rentrer. Moi je pète la forme, ah ouais, ça soit pas comme ça. Ça soit pas comme ça. Voilà les gars, ça c'était là où on a dormi, ok? Maintenant on est prêt. Petite casquette Ferrari sur la tête, sur la tête. T-shirt Mercedes pour George Russell. Et Lewis Hamilton. On est pour George Russell, on espère qu'il fera la pole, George. Non, je déconne, c'est Charles Leclerc qui la fera. Allez, on est parti, on se retrouve dans la navette. Parce que oui, on prend une navette, je vous rappelle, à cause de Gaël. Max, oui, mais... t'es tellement bien fait. Non mais putain, j'ai mis du temps à capter, mec. Pareil, bon, Charles. C'est long, hein.
Leclerc en pole. Verstappen deuxième. Pronostic. Victoire de Leclerc demain. J'y crois. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être aussi nombreux aujourd'hui avec nous dans cette fan forum. Tout de suite, la première écurie qui va venir se présenter, c'est l'écurie As, composée de Kevin Magnussen et Mick Schumacher. So now, how are you both doing? Pretty good, thank you. How are you? Yeah, good. Everybody good? Ce double header avant la pause. Bien sûr, t'es confiant, Charles. Oui, non, la performance elle est là. Enfin, il faut juste qu'on se concentre sur nous-mêmes, pas faire d'erreur. Carlos, on prend des compétitifs. Oh la pluie! Nico! Latifi! Messieurs, dames, Lewis Hamilton en personne. This is the best crowd we've ever had here. It is insane. They are full of energy. Thank you so much for this lovely chat with me. Everyone make some noise for Sir Lewis Hamilton. I'm doing good. It's great to see so many people here today. It's more than I was expecting. So. De soutien ici pour nous, même si ça peut être une journée très très belle, on va faire en sorte que ça aille mieux demain. Gasly, 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 spécial d'être ici en France vous a manqué et j'espère que vous avez tous passé une belle journée. Bonsoir, en français, je parle comme un allemand, mais merci, merci, c'est incroyable ici. Any moment, I've just been told that they are in the cars driving over right now. So our final team of the day, Alfa Romeo, Valtteri Bottas and Joe Guanyu. Keep the loud energy up because we've got one more team before we let you go. Yeah, this is special. It's crazy, I mean.
Valtteri, 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 Valtteri. Bah tu sais, on a la passion les gars. Ça va, c'est le pari Gagne Bougainou. Ah oui, je te confirme. En tout cas, c'est sympa en tout cas les gars. On a vu tous les pilotes. Je vais être honnête, la plus grosse dinguerie, c'est pas ce que tu regardes sur la piste, tu les vois tourner, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Et là, le fait de pouvoir voir les mecs, là on a vu d'autres gens en plus, on a parlé avec. Des pistonnés, très gentils d'ailleurs, dédicaces. Trop bien parce qu'en fait tout ce qu'il y a autour du circuit c'est mieux honnêtement que ce qui se passe sur la piste. On n'arrive pas à vraiment suivre ce qui se passe même si c'est très impressionnant à voir. Mais tout ce qu'il y a autour, ça fait que c'est incroyable. Et le fait de là on va essayer d'aller dans le paddock demain. On n'y arrivera sûrement pas mais on va quand même essayer. Ouais parce que ça va être très dur comparé à la moto. Tu te dis que tu vis ça en mode VIP, ça doit être une dinguerie. Parce que nous on est déjà en lambda pour l'instant. Mais je compte bien revenir en ayant un petit badge. Voilà. Les gars, on va sur le circuit du Paul Ricard. Il y a quoi ici là? J'aimerais bien venir avec ma Clio sur ce circuit. Ma petite Clio 2 elle irait bien là. C'est trop stylé. Magic System. Magic System. Les gars, on est devant le paddock. Il y a les voitures, les pilotes juste derrière. Regarde, il y a Carlos Sainz. On va essayer de prendre une photo avec Carlos. Regarde, Charles Leclerc. Pas du tout la même mentalité qu'au MotoGP. Bah, déjà, il y a beaucoup plus de monde. Tu sens qu'il y a beaucoup plus d'influence sur le milieu. Quoi. Les mecs sont quand même vachement agressifs. Quoi. Toujours, je me sens tellement privilégié. Seul dans un bus. Je vous nourris en émotion, les gars. Charles Leclerc en pole. On accède au paddock. Enfin, à l'entrée du paddock. Devant. Bon, on arrive à voir Albon, Sainz, Leclerc. Compliqué, hein, c'est pas pareil qu'en Catalogne malheureusement. Voilà, maintenant on va essayer de recharger les batteries du téléphone. Parce qu'on est à 0% et on dort à la rue. Allez, à demain les gars, bonne nuit. Ciao. Tiens les gars, abandon de Leclerc, Verstappen P1. Il y a Hamilton P2. Et Russell P3, ça va être le classement. Moi je suis dégoûté. Ferrari. Attendez la foule. La foule en délire derrière Max. Yes. Ça va être français, Pierre Gasly. Yes. On a fait de la merde, mais yes. C'est ah, belle course, il a bien remonté. T'as une chaîne? Eh ouais. C'est quoi? KBDT. Vas-y, je retiens.
Daniel, Carlos, Perez, Gasly, Ocon. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à faire des gros cœurs comme d'hab. Et on se retrouve très prochainement. Allez, ciao.